CDVI, 36 ans. J'étais blessé en mai 2014, avant un match de foot à Nantes. Voilà, je suis resté un mois à l'hôpital et j'ai eu 5 mois d'arrêt de travail. Les circonstances, ça a été. Avant le match, il y a eu une bagarre entre supporters dans laquelle je participais et. Les forces de l'ordre sont vite intervenues pour séparer les deux groupes. Et là, ils ont fait leur travail de rabattage, d'encadrement pour plus qu'il y ait de contact avec les autres supporters. Et j'étais blessé, je m'en suis pas rendu compte du tout. Je suis tombé, on m'a relevé, je suis retombé, paraît-il, on m'a relevé. Et voilà, au début, je savais pas du tout ce qui m'était arrivé. C'est après qu'on m'a dit que pas mal de mes copains ont vu un policier avec un flashball, un civil, tirer. Donc voilà. Intentionnellement ou pas, je sais pas. J'ai rien vu du tout. Parce que de toute façon, vous avez tellement de. Ça s'est vite passé, il y avait vraiment. C'était un peu le bordel quand même. Et pour pas que ça parte n'importe comment, ben les flics là, à ce moment-là, ils tapent dans le tas et puis c'est pas tout ce qu'ils font, c'est vraiment repousser, repousser, et ils y vont par tous les moyens. Et moi, je me suis pas rendu compte du tout parce que d'un côté, on avait des hommes en uniforme qui couraient avec leur tonfa. Et moi, j'ai été touché par derrière. Je ne me suis même pas rendu compte du tout qu'il y avait d'autres unités de police derrière nous. Et on m'a dit que c'était des mecs en civil. Et pour nous, ben, on se fait rabattre d'un côté et de l'autre, on nous tire dessus. Donc chez moi, je n'ai pas compris exactement ce qui se passait. Où s'est déroulé l'impact? C'était à l'opposé de notre tribune où on devait aller. Et sur le moment, les policiers n'ont pas. Enfin, moi, j'ai pas signalé que j'avais été blessé. On m'a relevé, on m'a aidé à marcher. On a marché près d'une vingtaine, 30 minutes pour aller jusqu'à la tribune qui était réservée aux supporters de Saint-Étienne. Et là, on était encadré par plusieurs camions de police. Moi, les copains avaient bien vu que j'avais un gros impact sur le côté. Moi, j'avais du sang aussi. J'étais complètement sonné. J'entendais plus rien. J'avais un sifflement dans l'oreille. Et j'étais vraiment sonné, mais j'arrivais à marcher. On m'aidait. Et c'est qu'une fois en arrivant devant la tribune, où quand j'ai présenté mon billet, on m'a directement emmené à l'infirmerie du stade. Et là, ben, j'ai été pris en charge. Et puis, j'ai été transféré à l'hôpital de Nantes une heure après, je pense, un truc comme ça. Même déjà avant, donc à l'infirmerie, il y a eu des blessés suite à la bagarre qu'il y a eu avant. Et on était trois ou quatre, je crois, à l'intérieur de l'infirmerie. J'ai vu un policier de Saint-Étienne qui est venu me dire textuellement, c'est pas un coup de flashball que tu as pris. Et alors que moi, tous les copains qui m'avaient aidé à repartir, à marcher, m'ont bien dit tous avoir vu vraiment un tir de flashball. Et puis l'impact, ça faisait pas trop de. C'était vraiment un impact rond, une brûlure. Donc voilà, et après, transféré à l'hôpital à Nantes par les pompiers. Je me souviens pas trop, j'étais pris en charge. On m'a passé un scanner pour voir ce que j'avais. Puis ils se sont rendu compte que j'avais une hémorragie interne au niveau du cerveau. Et puis j'avais mal, de toute façon j'avais la tête comme une citrouille, j'avais mal de partout. Je me sens plus trop en fait. Je crois à l'hôpital, ouais. Des amis sont venus me voir après. Et puis quand ils ont su que de toute façon ils me gardaient à l'hôpital, tout le monde est parti. Et puis je suis resté tout seul à Nantes. Alors le rapport dit qu'il y a un traumatisme crânien superficiel avec hémorragie interne, avec des fractures au niveau de l'oreille,
Et après, on se rendra compte avec le scanner qu'une partie du cerveau a été atrophiée complètement à cause de l'impact. Et l'hémorragie a fait un tel gonflement au niveau du cerveau que j'ai perdu, pas l'usage de la parole, mais ils ont développé un syndrome de Broca, où je ne pouvais plus parler correctement. Ça a duré une semaine où je pouvais pas. Enfin, j'avais des mots en tête, mais je pouvais pas les sortir, ils sortaient pas du tout. Et. Ah ouais, ça j'y pense à chaque fois, ça m'énerve carrément, quoi. Je pense que ça m'énerve, ça. Non, une dizaine de jours. Du moment que ça a commencé à dégonfler au niveau du traumatisme, un matin, je me réveille et je me suis dit, dans ma tête, je m'en souviens, dit, ça va, je peux parler. Et j'ai senti que je pouvais reparler sans avoir problème. Il y avait toujours, par contre, j'ai toujours eu des problèmes pour parler au moins pendant un mois ou deux, facilement. Mais par rapport vraiment à la première semaine ou les premiers 10 jours où je pouvais vraiment pas parler, ça avait quand même, on pouvait me comprendre. Alors que la première fois, j'étais obligé d'écrire sur un bouquin ce que je voulais dire, parce que j'arrivais pas à sortir le mot. Et ça, c'est un truc, c'est frustrant, parce qu'on a le mot en tête, mais on peut pas le sortir. En plus, on a mal au crâne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, je me suis rendu compte que j'écoutais moins. Donc après, on a fait les tests. J'ai perdu 30% d'audition à l'oreille gauche. Et le truc, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'une semaine après, l'impact, le dimanche, j'étais en train de lire dans la chambre d'hôpital à Nantes. Et j'ai fait une crise d'épilepsie. Ça, c'était le truc. D'un moment, j'étais en train de dire, et là, je me suis levé, je pouvais plus parler. Je n'arrivais pas à parler, ça, c'était un truc de fou. J'étais comme ça. Et c'est le voisin de chambre qui a appelé les infirmiers. Et là, ils m'ont mis sous. Je sais pas ce qu'ils m'ont filé en intraveineuse. Et puis, en fin de compte, ils se sont rendu compte que j'avais fait une crise d'épilepsie. Donc, de là, ben, ça a été traitement. Pendant 2 ans quasiment. C'était 3 cachets par un jour pour calmer le cerveau. Donc voilà. Alors donc j'avais le traitement pour l'épilepsie, plus des antidouleurs pour le mal de crâne et les fractures. Donc j'étais super bien avec plein de médicaments. Alors, moi, ce qui me gêne le plus, c'est à la rigueur l'oreille. Il y a des moments, il y a des sifflements qui viennent, et ça n'arrête pas, toujours dans l'oreille gauche. Et parfois, j'ai des larcènes. Il y a certaines situations où ça résonne beaucoup, ça vibre dans l'oreille. Donc ça, c'est un peu le plus pénible. Et au niveau de l'épilepsie, j'ai fait qu'une seule crise. Donc a priori, on a fait pas mal de tests à l'hôpital. Il n'y a plus de traces dans le cerveau d'agitation. Donc c'est pour ça, normalement, c'est bon. Donc j'ai arrêté le traitement. Progressivement, on a arrêté. Et de temps en temps, j'ai des mots qui dérapent. De temps en temps. Ça m'arrivait pas avant, ça c'est certain, mais de temps en temps, il y a des mots que j'arrive pas à dire. Mais c'est simplement un seul mot par rapport à avant où c'était des phrases complètes. Alors, moi, quand j'ai été transféré à Bordeaux, donc 10 jours après la blessure, on me transfère à un service spécialisé à Bordeaux, à Pellerin. Et de là, on me met en contact avec un service de l'hôpital qui s'occupe de tous les cas d'agression, souvent sexuelle, ou tout ce qui est atteinte à la personne. Et ils sont dotés de médecins légistes, etc. Et c'est eux qui ont fait la démarche de porter plainte pour moi. Ils m'ont demandé si j'étais d'accord pour porter plainte, je dis oui. Donc, ce qui a entraîné directement une enquête de l'IGPN qui est venue m'interroger à l'hôpital. Ça a duré 1 heure ou 2 pour savoir comment c'était passé exactement, dans quelles circonstances j'avais été blessé, pourquoi à la rigueur je disais que c'était un coup de flashball, etc. L'office que j'ai vu, il n'a pas trop.
Je pense qu'il a juste posé les questions qu'il fallait, il n'a pas trop abusé. C'est dans les entretiens après que j'ai eu plus d'autres sensations. Mais le premier que j'ai vu, non, ça a été. Il m'a demandé ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'on avait pu me dire, qu'est-ce que j'avais vu, pourquoi. Et puis voilà. Lui, c'est juste. Puis en plus, de toute façon, j'étais hospitalisé, donc j'étais à l'hôpital, il savait que j'étais pas non plus. En forme. Mais non, lui a fait son truc, je pense, basiquement. Et après, on m'a recontacté. Parce que là, c'était donc un officier de l'IGPN de Bordeaux qui est venu me voir. Et ils ont transféré mon dossier à Nantes, à l'IGPN de Nantes. D'ailleurs, c'est même pas Nantes, c'est Rennes qui gérait ça. Pour faire leur enquête, vu que moi je portais plainte contre X en me disant que pour moi c'était un coup de flashball, donc c'était une enquête sur la police qui devait être faite. Et donc on m'a auditionné une deuxième fois en 7 ou 8 mois après le coup de flashball, fin d'année 2014. On m'a convoqué à Nantes. Et là, ça a été un peu différent. Après la première. Audition que j'ai eue avec la police des polices à Bordeaux, donc à l'hôpital. 7 ou 8 mois après, à la fin de l'année 2014, on m'a reconvoqué à Nantes cette fois pour avoir un complément d'information. Le dossier qui avait été fait à la base par l'IGPN de Bordeaux a été transmis au parquet de Nantes. Et là, c'était l'IGPN de Rennes qui s'occupait de mon affaire. Et donc, ils m'ont demandé 8 mois après de venir pour leur apporter des précisions. Sur ce qui s'était passé, etc. Donc, la deuxième audition a été au-delà des formes, de savoir comment ça allait, comment je me mettais de la blessure. Ils ont commencé vraiment à me parler plus de moi dans mon comportement. Plutôt que de la blessure en elle-même, comment j'avais été blessé. Donc, ils ont dirigé leur entretien en me demandant pourquoi j'étais là, comment j'étais impliqué dans les supporters, si vraiment j'étais persuadé que c'était bien un tir de flashball, si mes témoins étaient aussi viables. Enfin voilà, tout était à ma charge en fait. J'ai l'impression vraiment qu'on me mettait la pression pour que se décharge de toute implication de leurs hommes et que c'était certainement pas un coup de flashball que j'avais eu parce que les conclusions de l'enquête ont bien révélé qu'il était impossible pour eux de savoir dans quelles circonstances j'avais été blessé. Donc ils ont toujours laissé planer le doute sur le fait que c'était bien un tir de flashball qui m'avait atteint. Pour eux, c'était certainement autre chose. Comme ça leur déchargeait pas mal de soucis avec leurs hommes, je pense. Donc, ça a été vraiment. En gros, ce qui s'est passé, tu l'as bien mérité. Et on pourra rien conclure de cette enquête. Alors, j'ai reçu. En mars 2015, une lettre du procureur de la République de Nantes me disant que les circonstances étaient trop floues et qu'il y avait un non-lieu, que l'affaire était classée. Voilà. Tout simplement, j'avais possibilité de faire des recours en civil ou pénal, avoir le soutien, enfin le soutien, pouvoir disposer d'un avocat, pour me faire aider juridiquement aussi s'il n'y avait pas les revenus, etc. Donc voilà, l'enquête était finie, ils avaient fait leur travail. Suite à la bagarre, moi j'ai eu tout le dossier en main après, donc où tout est resitué, pourquoi il y a eu intervention des forces de l'ordre, quelles équipes étaient mises en place ce jour-là pour la sécurité du match, et donc j'ai pu lire dans les dépositions, dans les de différents policiers qui ont été interrogés, qu'il y a un tireur qui ressort. Parce que son binôme de travail avait été
agressé par un supporter à Saint-Étienne, qui avait pris un coup de poing, un coup de pied, je ne sais plus. Et c'est la raison pour laquelle le policier a tiré à deux reprises avec son flashball pour, selon ce témoignage, neutraliser l'individu qui avait frappé son collègue. Donc il dit bien dans sa déposition que le premier objet, la première balle, c'est un flashball traditionnel, c'était pas un LBD a priori, c'était vraiment un flashball classique. La première balle aurait atteint une voiture et aurait rebondi et atterri à ses pieds, ce qu'il dit. Et la seconde balle aurait touché l'individu qu'il essayait de viser, celui qui avait frappé son collègue. Moi, dans les dépositions que j'ai pu lire de l'individu qui avait été interpellé, lui n'a pas été touché du tout, il n'a jamais ressenti l'impact d'un tir de flashball, quoi que ce soit d'ailleurs. Donc il s'est fait interpeller après, les policiers ont réussi à l'interpeller, ils l'ont maîtrisé, et puis il a été en garde à vue lui aussi, parce qu'ils l'ont brisé un peu les mains aussi pendant la. Parce qu'ils se rebellaient un peu trop. Donc, ils n'ont même pas besoin d'utiliser le flashball pour pouvoir l'interpeller dans tous les cas. C'est ça qui est un peu dur, parce que d'un côté, il y a des hommes avec des tonfas qui repoussent, et de l'autre, on nous tire pour interpeller, alors que tout le monde est en train de bouger, c'est la pagaille. Et les mecs, ils se permettent de tirer comme ça, dans le tas, en sachant très bien qu'ils peuvent faire une méga bavure, mais ils essayent quand même. Donc c'est là que ça fout les boules parce que moi j'ai rien vu venir et je m'en suis ben j'en ai pris plein la gueule et pour des raisons ben moi j'ai jamais touché un policier et pourquoi ils avaient déjà qu'il y avait pas mal de gars qui utilisaient leur tonfa, pourquoi en plus ils tirent par derrière? Donc voilà. Alors moi, dans tous les cas, quand on m'a proposé de porter plainte, j'ai dit oui directement, pour des raisons diverses, parce que c'est comme ça. Moi, je veux pas qu'on me tire dessus impunément, et puis qu'il n'y ait aucune sanction derrière. Je savais très bien qu'en me disant que je vais attaquer la police parce qu'on m'a tiré dessus, je sais qu'elle va se défendre dans tous les cas pour pouvoir faire comprendre que non, elle n'y est pour rien, qu'elle n'a pas tiré, que c'est moi l'agresseur, etc. C'est que. Moi, dans tous les cas, je voulais porter plainte. C'était quelque chose qui me. Je me dis, non, on ne cesse pas de tirer dessus comme ça. Et je sais que ça a déjà eu lieu, je suis un peu au courant de ce qui se passe. Et en plus, avec le traumatisme que ça peut créer derrière, je dis, non, on va pas, je ne vais pas rester impunément sans rien faire. Donc, je porte plainte. Là, je reçois une ordonnance de non-lieu. J'ai vu des avocats qui, eux, sont pas très. Chaud pour me suivre dans l'affaire. On a plusieurs tribunaux. Moi, j'aurais bien voulu aller au moins au tribunal administratif pour au moins reconnaître une faute de l'État. Parce que je sais très bien qu'attaquer directement le nom même d'un policier en service qui, selon lui, légitimement a utilisé son flashball, je me dis partir en pénal directement, c'est un peu cause perdue. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc je me dis, il y a le tribunal administratif, on fait reconnaître le tort que c'est l'État qui a une erreur, qui au moins reconnaît ça. Même l'avocat là n'est pas trop chaud, et même pour le civil, pour l'indemnisation aux victimes, on me déconse. Enfin, pour le moment, il n'y a aucun avocat qui est prêt à me suivre. Donc il faut que je continue à chercher quelque chose qui pourra me permettre de. Parce que je ne vais pas laisser tomber l'affaire comme ça m'a trop marqué. C'est trop dur. Non, moi, après le coup de flashball, j'étais super bien entouré. Bon, j'habitais à Bordeaux, donc ma famille est sur Saint-Étienne et Rouen. Mais tout de suite, entre les amis, la famille et tout, j'ai eu un très gros soutien. Rapidement, j'ai des connaissances qui m'ont donné des contacts, des liens avec des organisations qui justement prennent. La défense ou qui sont dans la lutte contre les armes de la police, etc. Donc j'ai eu pas mal de contacts rapidement. On m'a téléphoné aussi pour savoir comment ça allait, etc. Des gens que je connaissais pas, que c'était les gars de. Je crois les gars de Nantes et de Rouen qui m'ont contacté. Et moi j'avais contacté aussi d'autres personnes,
parce qu'on m'avait donné pas mal de trucs, mais c'était un peu flou à l'époque, je mélangeais un peu tout, j'étais encore bien crevé, je pense. Mais on m'a contacté, donc je ne me suis pas senti seul tout de suite. Je me disais, il y a quelque chose, je sais qu'il y a des organisations qui sont là, qui pourraient peut-être m'apporter des conseils, etc. Puis quelque temps après, de toute façon, on s'est tous rencontrés à Montreuil pour la constitution de l'Assemblée des blessés. Au niveau de la famille, bah, tout m'a bien aidé. Mes parents ont été beaucoup, beaucoup marqués. Et même maintenant, c'est eux qui. Ils veulent pas que je lâche le morceau. Là, ça fait 2 ans. On sait qu'on a encore une année si on veut pouvoir réagir devant un tribunal. Donc, on est en train de refaire des démarches pour voir vraiment la solution. Donc, moi, je cherche toujours l'avocat qui voudra me suivre pour intenter quelque chose. Et c'est aussi de reprendre contact avec le médecin légiste qui m'avait vu par le COVA, qui avait porté plainte avec moi. Parce qu'il faut qu'on arrive à prouver que c'est un tir de flashball et il faudrait que j'ai un soutien à ce niveau-là. Parce que là, en gros, c'est mon témoignage et ceux de mes témoins contre la police. Donc, pour nous, ça fait aucun doute que c'est vraiment un tir de flashball, mais pour faire reconnaître vraiment, peut-être l'appui d'un médecin légiste, refaire des analyses, etc. Et pareil, c'est du temps et de l'argent. Au niveau médiatique, en fait, le fait que j'ai été blessé en pleine confusion, c'était vraiment le bordel. Le fait que je n'ai pas signalé dans l'instant même que j'avais été blessé par un tir de flashball, le fait que je me fasse soigner et que j'arrive plus tard dans la soirée à l'hôpital, en fait, ça a été un incident qui a été mis un peu de côté. Et en gros, j'ai même pas eu de dans tous les comptes rendus que j'ai vus de la police, ils n'ont jamais entendu parler qu'une personne avait été blessée par le tir de flashball. Donc pour eux, il n'y a eu aucun blessé involontaire. Ils ont trouvé les balles qu'ils avaient tirées. Pour eux, c'est comme ça. Je crois dans le journal, ils n'ont pas parlé du tout. Ils ont parlé de blessés, mais pas du tout de blessés par flashball dans le journal. Papier de Nantes. C'est moi, en me signalisant comme blessé par un flashball, qui est peut-être plus en prenant contact avec des armes. C'est qui à Nantes déjà? Le 27 novembre. Ouais, que le 27 novembre, c'est eux qui ont répertorié que j'avais été blessé par un flashball. Parce que je l'avais dit. Mais c'est vrai que j'ai pas eu de truc parce que j'étais pas classé comme blessé par flashball du tout, quoi. À l'hôpital, c'est selon simplement ce que j'avais dit qui disait que j'avais été touché par un flashball. Donc, il n'y a pas eu de réaction de journaliste ou de soutien en tant que tel. C'est moi qui ai fait plus la démarche en disant oui, j'avais été blessé par un flashball qui a peut-être fait. Qu'on en a entendu parler, mais juste dans les ceux qui s'intéressaient à ça, en fait. Ben, c'est pour ça qu'on veut refaire appel à ce médecin légiste que j'avais vu, parce que on m'a quand même demandé si je pouvais paraître en tant que blessé par les armes de la police. Et c'est passé dans un journal médico-légal, enfin médico de anglais. Et on utilise mon histoire, ma photo. On m'a demandé l'autorisation, j'ai dit oui. Donc on utilise mon image en tant qu'un blessé par la police. Et d'un autre côté, on ne le dit pas dans leur rapport légiste que j'ai bien été touché par une balle de flashball. Moi, dans tous les cas, je ne sais pas comment ça évolue. J'espère que dans l'année qui va arriver, on va trouver une solution pour pouvoir faire avancer le dossier. Moi, ce que je remettrai toujours en cause, c'est le fait que la police puisse tirer sur la foule. Donc, on me prétend que c'est des armes non létales qui font pas mal, mais on se rend bien compte de ce qui se passe autour de nous, avec tous les blessés qu'il y a. Moi aussi, je m'en suis bien rendu compte, parce que mine de rien, ça va faire 2 ans. Mais le traumatisme, il est toujours là. On en parle moins parce que ça passe. On sent qu'on va mieux physiquement. Mais de temps en temps, dans la tête, on repasse les images. On se rappelle les mois d'hôpital, tout ce qu'on a supporté. Et
Moi, le truc, c'est je vais pas lâcher l'affaire, ou dans tous les cas, le fait d'avoir rejoint le collectif de l'Assemblée des BC, moi, c'est un combat contre l'armement de la police et son usage en général que je pourrais jamais abandonner parce que on peut pas se laisser tirer dessus comme ça. On n'est pas des lapins. Bon. C'est une belle conclusion, ça. On n'est pas des lapins. Parle-t-elle de la fin? S'ils nous prennent pour des lapins un peu, je pense. Même beaucoup. Mais bon.